Épisode 2, les amis. Bienvenue à tous. Juste avant de commencer, j'ai envie de vous expliquer quelque chose qui m'a un peu gavé. J'étais en train de faire donc la suite du let's play. Donc tout était en place, j'ai commencé à enregistrer le gameplay et à faire mon commentary en même temps. Et en fait, à la fin du let's play, j'ai remarqué que j'avais pas appuyé sur le bouton pour enregistrer le gameplay. Donc il s'est passé une heure de jeu qui ne sera pas évidemment qui ne sera pas sur ma chaîne. Mais t'inquiète pas, t'as rien raté. Franchement, j'ai dû tracer dans un chemin où il y avait une horde de morts vivants qui étaient en train de manger leurs 4 heures. Et donc, j'ai sauté en haut d'un pont pour atterrir dans un fleuve qui m'a conduit dans une autre île. Et je me suis retrouvé dans un petit village. Et c'est là où, évidemment, je me suis arrêté. Et voilà la partie qui n'a pas été enregistrée. Allez, nous, on continue. On va rien améliorer au niveau des compétences. J'allais dire une connerie, je crois. Et donc, on se retrouve dans le village, là où je me suis arrêté. Donc, il y avait un mec chelou. Je crois qu'il me cherchait avec sa tronçonneuse. Il est de retour. Nous, on va prendre cette porte. Putain, je vois rien du tout. C'est trop sombre. Alors, on va continuer. Donc, est-ce qu'il faut que je foute le feu ici, moi? Oui, il faut que je foute le feu. Pourquoi? Pourquoi ça a pas pris feu? C'est quoi ce bordel? Allez, pourquoi il veut pas cramer lui? Allez, prends feu. Ah, voilà. Donc il y en a un qui s'est mis par terre là et qui est vivant. D'ailleurs, au passage, je vais me barrer. Je vais me foutre là, accroupi. Il y en a deux là. Ouais, il y en a deux, c'est ça. Non, lui il est rentré à l'intérieur. Donc il y en a un qui est rentré à l'intérieur là. Bon, on en a un ici. J'espère que l'autre il sortira pas. Et qu'il va rester sagement ici. Putain, non, dis-moi pas que je me suis fait repérer sans déconner là. Wouah, mais il est déterminé, il veut me défoncer. Bah attends, je m'occupe de toi tout de suite. Viens là. Allez, viens en courant, c'est bien. Ou en marchant, c'est bien. Oh putain, j'arrive même pas à viser. Tiens, prends ça toi. J'aimerais bien lui shooter la tête éventuellement. Voilà, et là je vais le finir à la main. Forcément. Je peux pas foutre le feu là? Non, bah non, mais lui de toute façon je l'ai complètement défoncé. Il y en a un autre là qui est rentré dans la maison. Oh putain, mais ça me fait flipper ça, ces portes qui s'ouvrent comme ça là. Il est où? Où que t'es? Dis-moi où t'es. T'es là. Donc je crois que tout à l'heure j'avais une bouteille. Elle est où la bouteille? J'ai plus la bouteille, c'est génial. Ah oui, en même temps je lui ai pété sur la tête à l'autre. Donc c'est un peu logique, mais à mon avis je vais pas rentrer dedans, hein. Ça sert à... Ah, il y a quelque chose là. Je viens de trouver quelque chose par terre. Ah, une bouteille, voilà. Donc je vais essayer de lui attirer son attention ici. Allez, va voir là-bas si j'y suis. Est-ce qu'il va se ramener? Non, même pas qu'il va bouger, oh. Ah, il bougera pas lui, hein. Bon, en tout cas, cette maison, je l'avais fouillée. Donc ça sert un peu à rien. Je vais continuer.
Putain, mais il y a un mec là, bizarre là, je crois. Là, il est où? Il y a un type là. Je sais pas où il est. Je vois pas du tout où il est en plus. Il y a un couteau là. Est-ce que je peux prendre le couteau? Non, je peux pas prendre le couteau. Maintenir. Merde, faut que je me planque. Ouais, planque-toi. On va se planquer. On va se planquer où, je sais pas. On va se mettre ici peut-être. Ça peut être une bonne planque, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, bah de toute façon lui, reste par terre. Je te dis, reste par terre. Éventuellement couché. Ah putain, mais je vais arriver à le faire lui. Ah bordel, je suis mort. Bordel, c'est tendu parce que y a un peu de brouillard et je vois rien, c'est logique un peu. Donc il y avait un mec qui m'a vu. Je sais pas comment je vais devoir m'y prendre. Mais en tout cas, sache que je suis content de te présenter ce let's play sur The Evil Within. Franchement, j'aime bien. J'adhère ce jeu, franchement, y a rien à dire. Bon, au début, c'était assez gore. Salut, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. On va continuer. Donc, c'est déjà quoi? Pourquoi? Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, on va un peu accélérer parce qu'on va pas rester ici à dormir. On se retrouve dans la jolie maison. Allez. On ouvre ses portes. Voilà, grand coup de pied. Rien à foutre. Donc lui là, on va y foutre le feu. Là il y a quelque chose là, voilà, là il y a une bouteille. Ça peut m'intéresser ça. Ça peut m'intéresser. On va se mettre là. On va attendre. Bon, là il y a du gel vert, voilà. De toute façon en plus j'avais raté ça. Je vais pas dire que c'est à cause de toi. Donc lui, rentre à l'intérieur. Voilà. Hein. Allez, à grand coup de pied, il va y aller. Bim! Ah non, même pas. Ouah, non, carrément coup de boule, il y va, lui. Ouah, ce fou. Et lui, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Ah, tu me vois pas là. Non, tu me vois pas là. Là, tu me vois, tu vois. Là, il a pas le temps de réagir, j'ai l'impression. Allez, détends-toi. Je te mets juste une balle. Voilà. Couché. Couche pas. On le crame au passage. 6 balles. On récupère les balles. Et donc j'en ai un ici là. Qui est resté sur place, je crois. Si c'est bien ça. Non, il est pas resté sur place lui. Donc, lui il est où? Octet, mon coco. Ça fait flipper tous ces bruits là, parce qu'on sait pas d'où ça va. D'où ça vient. Mais en tout cas, il y en a un là. Je vais le frapper le temps qu'il a rien dans les mains lui. Hein. Ouais bon ok, en fait au final il a quelque chose dans les mains, hein. Je vais le finir lui. Allez, bouge pas. Bim. Bim. Dans la teuté. Voilà, on va y foutre le feu. Je sais pas
pas si elle va me donner quelque chose. Est-ce qu'elle avait quelque chose sur elle? Non, à part une bouteille, c'est tout ce qu'elle avait. On va se soigner. C'est quoi déjà pour soigner? Ouais, voilà. Petite picouse. Et donc, il y en a un qui gueule, là. Putain, mais je sais pas où il est, lui. Bon, je vais avancer. Donc là, je peux pas monter. Ça, je peux y péter, peut-être. Non, ça, je peux pas y péter. Ah, il y en a un là-bas. Ça y est, je l'ai vu. C'est quoi que j'ai pris dans les mains? Ah, d'accord, non, mais ça, je veux pas la lumière, moi. On rentre dans la maison. Ah, je sais pas où je suis là. En tout cas, ça m'a l'air d'être bourré de pièges. On va prendre les allumettes. Je vais mettre un croupi parce que, comme vous pouvez voir, il y a des pièges après les murs qu'il faut désactiver. Une seringue importante. Là-dedans. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça, moi? Ah, des balles. Ouais, mais je suis tout plein. Donc là, il y a un piège qu'on va aller désactiver. Ah, ça va péter. Ouais. Il faut que ça fasse qu'un tour. Donc on n'a qu'une chance. Là, il n'y a rien. En même temps, on va se soigner. Une picouse. Donc là, il y a un mec quelque part, en tout cas, là. Ça, c'est sûr. Il y a un type dans le coin. Je sais pas où il est. Il y a du gel, là. Ramasser. Je vais peut-être éteindre la lumière. Il y a un piège, encore. Donc le type, il était où? Non, il n'était pas là en tout cas. En tout cas, je vois que on a un œil sur moi là. Le problème, c'est que ça me dit pas où il se situe là, le mec. Hein, je le trouve pas en plus. Est-ce qu'il y a des pièges ici? Non, il n'y a pas de pièges là. Apparemment, on est plutôt tranquille. Même si quelqu'un a un œil sur nous. On casse. Normal. On prend ce qu'on a besoin. Alors des allumettes, une seringue. Je vais me soigner. Je vais me remettre un coup de picouse. Voilà. Et donc là, il est où le type? Ah, il est de l'autre côté. D'accord. Donc là, il y a des cochons. Je vais éteindre la lumière. Je vais juste contrôler un peu dans les horizons. Voir si je trouve pas quelque chose. Je peux pas me tuer une bête. Non. Mais un bel élevage en tout cas. Il y a un mec qui est pendu là. Je peux pas le brûler lui. Non, on me demande pas de le cramer. Je vais pas m'approcher de là-bas parce que bon, il y a un mec donc forcément j'ai peur qu'il me. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Lui cherche la guerre. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Une balle. Allez, je vais lui en mettre une. Ah, j'arrive même pas à la voir. Comment ça se fait que lui m'a eu et moi non? Donc je viens de me faire repérer. Oh, c'est quoi ça? Y'a un mec qui s'est suicidé. Hop, on fout le feu. Oh, y'a un mec qui s'est suicidé quoi.
Oh, c'est quoi ça? Je peux pas aller me... Non, je peux rien faire encore? Non, bon, bah ça, ça sert à rien aussi. Donc là, il y a un type. Voilà. Allez, prends feu, toi. Ah, je sais pas, mais je sais pas d'où ils viennent d'ailleurs ces monstres là. Comment ils ont été mutés, par qui, comment. Bon, certes, on a eu un esprit maléfique, mais ça ne nous dit pas tout dans le jeu. Mais en tout cas, on est rentré dans un cauchemar. Et là, qu'est-ce que je dois faire si je monte là-haut? Hein, on va y monter là-haut. Allez, c'est parti. Non, mais là-haut, je t'ai dit. Voilà, allez Seb, monte. En tout cas, c'est haut, j'ai envie de te dire. Petit coup de vapote. Le temps de monter le World Trade Center. Donc là, on a trouvé quoi? Une boussole. Donc c'est quoi ça? Carreau aveuglant. Carreau pour l'arbalète agonie, produisant un puissant éclat de lumière qui aveugle l'ennemi. Vous pouvez ainsi le tuer avec une attaque furtive. D'accord. C'est génial. Donc là, des pièces encore. Du gel. Et on va redescendre. Donc on était monté juste pour récupérer 2-3 objets. Qui va évidemment nous servir. Donc le mec qui s'est suicidé, il était là-haut. Il y a un truc par terre, là. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Ça doit être un piège à loup, sûrement. J'entends aussi quelqu'un respirer bizarrement. Oukté. Hein. Donc là, il y a un piège à loup. On va le désamorcer. C'est ce qui va me permettre de récupérer en même temps la pièce. Voilà. Tac. Nickel. Et on va rentrer. C'est quoi? C'est quoi qu'il veut me donner lui? D'accord, une bouteille. Bon, on va prendre quand même la bouteille. Donc il y a quoi là? Du gel vert encore. Là, là il y a quoi? Il n'y a rien d'autre. Là il y a du foin. On va y foutre le feu. Et en tout cas, j'entends plein de morts vivants dans le coin là. Alors je sais pas si c'est dans la maison qu'ils se sont réfugiés. À quoi ça servait que je fasse ça, moi? Tu peux me dire, personnellement. Donc nous, on est venu d'en face. Donc il y a un mec là qui surveille. Et donc on va essayer de l'attirer. Ou essayer de le tuer déjà, ce serait peut-être pas plus mal. Hein. En tout cas, il y a un mec soit une tronçonneuse, je crois, il doit être dans les parages là. Ouais, putain, mais non. Non, en fait, je croyais que c'était mon collègue, le médecin. Et au final, non, c'est pas du tout le médecin. Bon, allez, va voir là-bas. Il surveille que d'un côté, celui-là. On peut pas monter, là? Ah, si, on peut monter. Génial. Ouais, mais non, mais monte. Voilà. On peut pas entrer? Est-ce qu'on peut entrer? Non, je peux même pas rentrer, j'hallucine. Ouah, mais il y a du monde là. Ah, ils sont combien les cocos là? Ils sont deux. Ils sont deux. Donc attends. S'ils sont deux, c'est génial. Parce que moi je vais pouvoir aller les attirer là, là. Je vais me planquer ici, moi. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va monter. Au moins qu'il y en a un qui va se pointer déjà, ce serait pas mal. Non, je suis sûr qu'il n'y a personne qui va venir, c'est obligé ça. Il n'y a personne qui va se ramener. Hein. En tout cas, je viens de me faire repérer.
problème, c'est que je sais pas si je peux le défoncer, lui. Bouge pas. Je te mets juste une balle dans la tête. Tu puisses dormir. Ah non, je peux pas le défoncer, lui. C'est ça, le souci. Comment je vais faire? Parce que lui, il garde trop bien le territoire. Parce que le problème, c'est que si j'avance là, voilà. C'est le souci, c'est que... Et ouais, je me suis fait refaire. Putain, en plus, il est avec un fusil de je sais pas quoi, là. On va se soigner. Alors, est-ce que j'ai encore assez... Ah, d'accord, fabriqué. Non, mais en fait, j'ai même pas de quoi pour me soigner. C'est génial. Les bouches de là. Ah, je suis bloqué là. Hein. Je peux vraiment pas bouger. Lui là, je peux pas le tuer. Je sais pas pourquoi. Alors que j'ai un bon revolver. Mais j'aimerais bien que tu dégages. Ce serait plutôt génial. Hein. Ah, je sais pas ce qu'il fait lui. Il veut pas bouger en tout cas. Lui en tout cas il veut pas bouger. Ouais, mais il m'a vu hein. Dès qu'il me voit c'est obligé hein. C'est obligé. On va tracer, on va se foutre là dedans. On peut pas se foutre là dedans. Ah oh, il y a du gel. Okay. Wow. Il y a un mec par là là mais. Reste là-bas, toi. T'es bien. Moi, je suis en train de réfléchir, les gars. Je sais pas comment je vais devoir m'y prendre. Je crois que tout à l'heure, j'ai vu quelque chose où je pouvais monter, je crois, là-haut. Je pouvais monter en hauteur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'y rendre. Normalement, il y a une échelle qui me laisse accès à... On casse tout ça. Peut-être qu'on peut trouver une seringue. Non, même pas. Donc là, il y avait une échelle. Voilà, l'échelle où elle est. Elle est ici. En même temps, on pète ça. Qu'est-ce qu'on voit là? Oh, d'accord, il n'y a rien à voir. On va utiliser cette échelle. Et on va monter là-haut. On va se foutre où? Oh, il y a pas mal de choses là. Ok, là je suis plein au niveau des revolvers. Des allumettes. Il y a quoi d'autre? Un gros pot de gel. Et c'est tout hein. Et tu me laisses en plan là. D'accord, ok. Bon, bah, on va redescendre. Je pensais que je pouvais avoir accès histoire d'aller buter l'autre. Penses-tu? Au final, non. Donc là, il n'y a rien à récupérer. Là, non plus. Du moins, si je me souviens que j'avais déjà fouillé en plus cet endroit. Donc, ça sert à rien que je recontinue à fouiller cet endroit-là alors qu'il a déjà été fouillé. Et donc on va essayer de trouver un système pour pouvoir éventuellement embrouiller l'autre. Mais je pense qu'à mon avis c'est ce qu'on vient de récupérer, la dernière arme, pour pouvoir éblouir les autres. Donc je pense que c'est ça que je vais devoir utiliser. Déjà, je peux pas monter là, non, là c'est mort. Là en tout cas je peux foutre le feu. Ah il m'a vu encore hein. Donc je sais pas si je peux l'aveugler. Je vais essayer leur nouvelle technique qu'ils nous ont donnée là.
pour pouvoir aveugler le. Comment ça se passe? R1 fabriquer carreau. Voilà. Et comment ça se passe maintenant? Je peux pas l'utiliser? Pièce nécessaire. Changer de carreau. Non. Non. Alors est-ce que je peux utiliser ça? Non, je peux rien faire avec ça. Hein. Non, hein, je peux rien faire. Hein. Et lui, il va me défoncer. Je peux pas passer par une fenêtre là, non. Je peux rien faire, tu es un cochon. Hein. Non. Ah bah si, je peux les défoncer au final. On va y foutre le feu. Allez, j'ai un grand coup de pied le cochon. Là. Toi aussi. Je sais pas ce que ça va nous faire gagner de plus, mais je pense rien. Voilà, t'aurais déjà vu un cochon toi avec, avec des armes à feu. Et lui là, il est derrière. Ah mais il est coincé, il est attaché. Ah mais il est attaché là. Ah mais c'est... Oh il y a un piège. Il y a un piège les amis. Et là je viens de trouver un passage. Je suis un vrai galérien. Ah je suis mort. Ah putain merde. Troisième tentative. J'avais vu le piège, je me souvenais plus qu'il fallait faire, qu'il fallait atterrir sur le point, l'espace bleu avant que ça explose. Je me suis fait avoir. Donc en tout cas, je sais où ce qu'il faut aller maintenant. On recommence pour une troisième fois et on va repartir de là où on a commencé. Donc chez notre chère infirmière. Ah non, je suis là, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Hein? Est-ce qu'il faut que j'aille là? Attends, ce qu'on va faire, on va tracer. Lui, il m'a vu. Merde, oui. Faut que je me planque. Ah bah oui, il faut que tu te planques, oui, forcément. Donc là, on a les cochons. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de les défoncer, mais bon. Là, il est mort. Non, attends, ce qu'on va faire déjà, on va aller désamorcer déjà cette bombe. Hein. Donc, il faut... Ah putain! Pourtant j'appuie sur le truc bleu, mais c'est que le problème c'est que ça s'arrête pas net. Comment t'expliquer? Ça s'arrête pas directement en fait quoi. Tu vois, le temps que l'aiguille est lancée, faut qu'elle freine quoi. Qu'est-ce que j'ai récupéré moi déjà? Donc oui voilà. Donc il faut que je monte là-haut, aller chercher... tout ce qui est les objets carrément en haut. Donc il va falloir que j'aille faire le tour pour aller récupérer ça. On récupère le gel. Je viens de récupérer une hache qui peut bien me servir ça. Ah d'accord, ok. En plus il y a des pièges là. C'est génial. Hop. Et donc je pense qu'il doit y en avoir un autre là, voilà. Hein, c'était obligé. Est-ce que je peux me soigner moi? Non, je peux pas me soigner. Bon les amis, je tiens à vous dire que on va peut-être mourir là. Hein? Ah putain cette chance. Je m'étais concentré pour le faire celui-là. Donc on va monter là-haut. Je crois que là-haut en plus il y a une seringue, donc ça va bien nous servir ça. Pour soigner parce qu'on a plus de seringue là. Là on est un peu dans la merde. Donc là ça a des pièces. Ah des allumettes. Et du gel je crois derrière. Si c'est bien ça voilà. Un gros pot de gel. Et donc il n'y a rien d'autre. Donc on peut pas se soigner. On va sortir dehors. On va aller traverser la petite ruelle. Et on va aller de l'autre côté fouiller la tour. Là où il y avait le mec en hauteur. Donc on peut descendre par ici. On peut descendre par ici. Alors, je sais pas pourquoi ils veulent que je foute le feu à ça, moi. Ça sert strictement à rien. Ah non, mais il y avait des seringues là. C'est vrai, il y avait une seringue ici. Et oui, il y avait une seringue là. Là, des balles. Hein, qui me sert à rien. Ce qu'on va faire, nous, on va se soigner.
ça ira mieux pour notre personnage. Voilà. On va péter le reste de ces coffres qui nous donnent une autre seringue. Et nous, on va aller de l'autre côté récupérer cette fameuse arbalète, je sais plus quoi, aveugle. On n'a rien compris en tout cas. Hop, allumette, voilà, je peux pas prendre le couteau, hein. Ça, il me demande de lui foutre le feu, c'est pas le but. Normalement, c'est les corps que je dois cramer. Tout comme les cochons, ça sert strictement à rien du tout. Comme vous pouvez voir, Norbert est enfermé dans sa chambre. Hein, il est nerveux en tout cas, Norbert. Donc là, on va essayer de... Donc là, voilà, là, il y a un garde au-dessus. Hein, on va le voir s'exploser d'ailleurs, le garde. Non ? Oh, c'est bizarre, tiens. Ah, c'est bizarre, Norbert, il a pas... Donc lui... Excuse-moi, mec. Bon, faut que je te défonce. Voilà, c'est pour ton bien, t'inquiète pas. Ça pique un peu au début, mais après, tu t'y habitues. Voilà, du gel. Hein, y a que ça à ramasser, j'ai l'impression, dans le jeu. Du gel. Là-haut, normalement, il y a un mec... On va aller le brûler, allez c'est parti. Je suis chaud là. On va aller lui on va aller le cramer. En tout cas ce jeu m'a l'air de me plaire. Bon j'ai envie de te dire, ça fait déjà 33 minutes qu'on est coincé dans ce secteur là. C'est vrai que c'est vrai qu'on est resté bloqué. On récupère tout ce qu'on a ici. Voilà, dans ça, là il y a quoi de plus là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'ici? Il y a un mec. Putain, ils se foutent même dans les balcons quoi. Est-ce que je peux le tuer? Hein? Je sais pas si je peux le tuer lui. Donc là il me demande de faire changer le carreau, fabriquer. Ouais. Et après? Je vois pas à quoi ça sert ça. Bref, c'est pas grave. On va aller le tuer lui. Normalement, on peut. Hein, même de loin, normalement. Putain, on peut même pas, j'hallucine. C'est un pistolet, il y a combien de... Il a une portée de combien de 10 cm, c'est ça hein, alors que dans la vraie vie, normalement, le mec, tu le tues sans souci. Il y a des pièges à loups là. Je viens de voir un piège à loups. On va aller le désamorcer. Donc il y en a un ici là. Voilà. On va aller le désamorcer. On va prendre, récupérer les pièces. Ça peut être important. Pourquoi je sais pas. C'est bien la question que je me pose. Voilà, un mec qui s'est éclaté. Hein. Je sais pas d'où il sort celui-là aussi. Ok, c'est bien fait défoncer. Ah, il y a du gel là. Il y a un type là-haut là, mais viens, descends, je t'attends. Donc là, ça sert à quoi ça? Pourquoi j'ai foutu le feu là, ça? Ça m'a servi à quoi, quoi, éventuellement? Donc là-dedans, je peux pas y aller. Hein. Donc, voilà d'où vient le problème. Donc là il y a un type là. Si je l'attire avec une bouteille, normalement ça serait considéré qu'il devrait venir. Hein. On va voir s'il va débouler lui. Est-ce que t'as entendu quelque chose? Il a rien entendu. C'est beaucoup trop con. Et putain, et l'autre là-haut, c'est vrai. Allez, on va se soigner. Parce que là j'ai du mal à comprendre par où on devrait passer maintenant. Parce que bon, il y en a un là. Mais lui, si je lui tire dessus, à mon avis,
Voilà, je peux pas le tuer. Et là, je comprends vraiment rien là. Alors, soit j'attaque le mode bourrin et j'y vais comme un gros sauvage en me disant que je peux me le faire celui-là. Parce que bon, l'autre là-haut, là, j'ai l'impression qu'il a pas l'air de vouloir bouger son cul. Là, les amis, c'est le moment où on sent un peu con, un peu bloqué. Et là, t'es en train de te demander, mais comment il va faire? Parce que là, si j'arrive en courant et que l'autre, je l'allume avec ma torche, forcément, il va prendre feu. Mais est-ce que l'autre là-haut, il aura pas le temps de te lâcher une balle? Et quand tu vois le niveau de ma vie, c'est assez chaud quand même. En même temps, au passage, comment je dois m'y prendre? Je sais pas du tout. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus aussi. Donc, si je monte ici... Ah, d'accord, mais là, il y avait une bouteille. Ah, putain, il m'a fait peur. Putain, comment il m'a fait peur. Oh, oh, il arrive. Donc, c'était bien par là qu'il fallait que je passe, hein. Pleine tête. Là. Meurs. Voilà. Oh putain, il m'a fait flipper, hein. Oh putain, il y en a un deuxième en plus. Voilà, 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 voilà. Allez, ramène-toi. Vas-y, viens. Bim, dans la tête. Ouais, bon, ben voilà. Lui, il s'est fait. Cram. Et ta gueule. Bon, ben au final, c'était tout con. Et moi, je cherchais à me vouloir me compliquer la vie. Allez, on monte. Donc, normalement, on doit avoir accès maintenant. Allez, viens. Viens, je te crame. Viens. Ah, il me voit même pas, quoi. Vous imaginez, il me voit même pas. Bon, on va se soigner. On va se mettre un coup de picouze. La connexion Wi-Fi a été interrompue. Bah, je m'en bats les couilles. De toute façon, il y a toujours de soucis comme ça, de toute façon. Alors, le jour où j'en ai pas. T'as dit de brûler, toi? Allez, crame. Il y en a un autre? Non, il y a personne d'autre. Je suis en sécurité ici. Donc du gel. Là, non, pas ça. Non, pas ça. Non, croix. Une bouteille. Il y a quoi de beau dedans? Rien du tout. Du feu. Une chaise. Il y a quoi? C'est quoi ça? La mince. Cette arbalète pliante possède une corde robuste et semble capable de tirer des projectiles lourds. D'accord. Carreau explosif pour l'arbalète agonie. Explosant à l'approche de l'ennemi, il peut être placé au sol, au mur et sur les ennemis. Voilà, quelque chose qui peut éventuellement nous intéresser. On va activer je sais pas quoi. Alors franchement on me demande même pas parce que je sais même pas c'est quoi qu'on a activé. En tout cas j'ose même plus avancer. Donc là aussi il y a quelque chose d'autre à activer. Et donc du coup... Ah on peut ouvrir cette porte. On est où? Ah mais on est... D'accord, ok, on est retourné ici. Lui il est toujours là. Je peux pas contourner comme ça, non, il n'y a pas moyen de pouvoir... Non, il n'y a pas d'escalier. Ah, il y a des escaliers là. Je savais bien qu'il y avait un étage. Hein, le problème c'est que j'ai pas regardé autour de moi, comme d'hab.
Je t'invite à ce qu'on y voie plus clair dans cette maison. C'est quoi ça par terre? Ça c'est... C'est des bouteilles. D'accord, on viendra récupérer des cartouches. Donc là il y a des bouteilles, une pièce. Donc là dedans il doit bien y avoir des choses à récupérer, on va voir ce que c'est. Oh, le fusil à pompe. Avec son canon court et son embout large, ce fusil à pompe a une portée réduite, mais une bonne dispersion. Là, des seringues. Quoi, une seringue du moins. Pas des, mais bien une seringue. Et là, on a des cartouches encore. Et ben, on commence à être bien, les amis. Non mais ce qu'il y a de toute façon là, ce que je viens de voir par terre, donc c'est un jeu à la troisième personne, je tiens à vous le dire. Putain, ce que je viens de... qu'est-ce qui se passe là? Ah mais non, d'accord. Okay. Comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite? Si vous voulez tenter votre chance. Écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Nous devons absolument trouver Leslie avant que quelque chose ne lui arrive. Je vois pas le rapport avec cette jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille, dans l'histoire? Non mais foutre le feu, mais foutre le feu à la dame là. Non mais fout le feu à elle là, pas par terre. Oh là là, c'est horrible hein, franchement. Bon, ok. Bon, on va la laisser comme ça, elle. Donc là, tu me dis, vas-y, va chercher Leslie. Trousse de premier secours, la grande seringue à cette trousse de premier secours restaure efficacement la santé. Mais au prix d'effets secondaires temporaires, ces trousses sont rares, mais elles augmentent légèrement la santé maximale à chaque utilisation. D'accord. Donc c'est pas elle, Leslie, là, non? Non. Non, parce que bon, j'essaie de la cramer, mais bon, je vois que ça m'a l'air d'être plutôt impossible. Expérience numéro 4. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Mais synchronisation réussie. Les sujets devraient commencer à ressentir une conscience commune. Les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience. Leurs esprits sont devenus une masse informe, un amas de charogne mentale. Je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur qui les envahit avant qu'elle ne diminue. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu veux pas venir avec moi? Hein? Non, lui va me laisser comme d'hab en plan. Allez, nous on continue. Bruit excessif. Les ennemis sont alertés par les bruits excessifs comme une porte ouverte d'un coup de pied. Ah d'accord, ok. Ok, mais faut pas faire de bruit alors. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a là dans le coin là? Je sais même pas si j'ai déjà fouillé cette pièce. Oui, j'ai déjà fouillé cette pièce. Mais j'ai déjà fouillé cette baraque déjà, moi. Donc là, c'est fouillé aussi. Lui, là, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi je peux pas monter? Non, je veux pas écouter ça, moi. Expérience numéro 4. Je m'en fous. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale. Donc lui, il est là, voilà. Mais synchronisation réussie. Mais comment je vais pouvoir le défoncer, celui-là? Parce qu'il est déterminé, je crois. Hein. Les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience. Leurs esprits sont devenus une masse informe, un amas de charogne mentale. Ouais, je sais, on a tous je compris. Dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur. Là, je suis en train de tourner en rond, je crois. Hein. Je vais descendre. Ok, il y avait... Et ça, c'est quoi ça? Carreau. Harponneur. Harpon pour l'arbalète. Agonie parfaite pour empaler l'ennemi. D'accord.
Donc il y a plein de petites choses hein, à récupérer. Le souci c'est que j'aimerais bien sortir d'ici moi maintenant. Il y avait une bouteille là je crois dans le coin là, non? Il n'y avait pas une bouteille là? Auparavant? Non, il n'y avait pas de bouteille. Là il n'y avait pas une bouteille non plus. Non mais là je peux pas. De toute façon. Là je peux pas non plus. Là il n'y a rien. Là il y avait des pièges à loups. Mais il n'y a plus rien. Ici qu'est-ce qu'il y a? Du gel. Je crois que ça doit faire au moins 40 minutes qu'on est ici les amis. Et on aimerait bien avancer. Parce que rester bloqué ici, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Donc l'autre là-bas, il y a encore. Voilà. Nous. On est littéralement bloqué là, sans savoir comment on pourrait faire pour s'échapper d'ici. Parce que c'est tellement bien sécurisé qu'au final, comment s'y prendre, je sais pas. Voilà. Parce qu'il y a lui là-bas. Et lui, le seul souci, c'est que... Tac, voilà. Il se retourne même pas. L'autre là-bas il va me lâcher une balle je crois. Bon les amis, c'est pas tout ça. Mais là j'emploie les grands moyens. J'ai pas le choix. Y'a que comme ça que je pourrais faire. Oh je suis mort. Oh putain par un piège à loup. Ça fait 47 minutes qu'on est bloqué. C'est génial. Alors ce qu'on va faire... je crois que le let's play va durer trop longtemps. Ce qu'on va faire... tu vas liker cette vidéo. Tu vas me laisser un commentaire. On va voir de là où on va reprendre. Et ce qu'on va faire, on continuera... Oui bah oui sprinter consomme de l'endurance, hein, on s'en est bien rendu compte. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour la suite du let's play de The Evil Within. Allez, salut les gamers.